Ça s'adresse à toute pathologie chronique à partir du moment où il faut composer, apprendre à vivre avec, être autrement le même. Voilà tout l'enjeu de l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique. En deux mots, tout est dit ou presque. L'éducation thérapeutique est un modèle d'accompagnement des personnes vivant au jour le jour avec une maladie chronique, comme notamment l'obésité ou le diabète. Basée sur un partenariat inédit entre soignants et patients, l'éducation thérapeutique permet à chacune et chacun de comprendre sa maladie, son propre métabolisme, et ainsi d'adapter son comportement, ses habitudes, pour améliorer sa qualité de vie au quotidien. Le patient devrait être considéré comme un partenaire de soins. Ce n'est plus quelqu'un qui va juste, entre guillemets, exécuter ce que le médecin ou que l'infirmière ou la diététicienne dit. C'est de négocier les objectifs thérapeutiques avec lui. Et en tenant compte de ses expériences et de son expertise, le patient est un vrai expert que nous, souvent, les soignants sous-estimons. C'est lui qui vit avec sa maladie quotidiennement. Depuis 1975, les HUG font figure de pionniers dans le monde dans le développement de l'éducation thérapeutique. Une approche multidisciplinaire qui tient compte notamment du parcours personnel de chaque patiente et patient évoqué ici, en séance pluridisciplinaire. Donc moi je vous parle de Monsieur J. Il a reçu pas mal de mobbing, pas mal de stress au travail et du coup en effet il a canalisé pas mal les émotions d'internature. On est une équipe interdisciplinaire et qu'on peut comme ça proposer aux patients différents axes de travail. Et puis l'axe psychologique fait clairement partie de la démarche de perte de poids. C'est difficile de faire abstraction de tout le monde émotionnel, psychique des patients parce que tout est entremêlé en fait. On ne peut pas dissocier le corps et l'esprit et les émotions. Et on voit vraiment beaucoup que chez nos patients, l'alimentation est très en lien avec ce qu'ils vivent au niveau émotionnel. L'obésité est une maladie qui est visible. On voit tout de suite une personne qui souffre d'obésité selon l'apparence, etc. C'est une maladie qui est mesurable, donc on voit tout de suite le chiffre sur la balance. Ce n'est qu'une pointe de l'iceberg. Il faut voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Pourquoi est-ce que ce patient a pris du poids? Que si on essaiera de comprendre cet aspect-là, on entrera mieux en contact avec ce patient et tout son environnement. Et finalement, on pourrait plus s'occuper de cette partie visible qui est tellement facile à mesurer, mais qui est tellement difficile à prendre en compte ses causes. Je pensais que mon corps, c'était mon pire ennemi. Ça a été en fait un compagnon qui m'a suivi toute ma vie jusqu'à maintenant. Qui a subi beaucoup de choses à ma place. Bien que je l'ai détesté, il m'a quand même aimé, quoi. Enfin, il m'a quand même soutenu. Ouais, on allait de l'avant, puis basta. Donc on va essayer de refaire copain-copain. Jacques a 72 ans. Son corps a été son bouclier toute sa vie. Aujourd'hui, une nouvelle vie commence pour Jacques qui découvre depuis 3 jours seulement le programme des HUG, ici, à la Soleillane. Une prise en charge qui porte sur de nombreuses consultations et ateliers divers. Ça fait 3 jours que on se concentre un peu sur soi, on se concentre un peu sur notre vécu. Il y a des gens qui s'intéressent à nous, et puis nous on s'intéresse à nous-mêmes. Et ça c'est pas mal parce que je crois que majoritairement entre nous, on l'a pas fait de s'intéresser un peu à nous, parce que on n'était pas bien dans le sens que on trouvait qu'on n'avait pas trop, on valait pas trop la peine. Parmi les ateliers proposés, celui de l'art-thérapie, une façon d'exprimer ses émotions au travers de la matière. Dans l'art-thérapie, c'est vraiment paradoxal. On est dans le faire parce qu'on produit quelque chose. Et en même temps, ce moment de production nous invite aussi à être avec soi, en connexion avec ce qui se passe à l'intérieur de nous, des émotions, des sensations, des images. Et puis on va tricoter avec ça et on va voir comment ça nous raconte, comment ça peut nous aider à poursuivre notre parcours. Comme Jacques, Sabrina a commencé son programme il y a 3 jours. Comme beaucoup, elle a surtout lu et s'est informée sur quoi faire et comment le faire pour tenter de perdre du poids durablement. Perdue, Sabrina a fait le choix d'un accompagnement et d'un encadrement médicalisé. J'étais perdue, je ne savais plus ce que je devais faire et pas faire.
Et je me suis dit, j'ai besoin que quelqu'un m'aide et me suive. On est vraiment pris sous toutes les coutures, que ce soit le psychique, la diététique, le physique pour tout ce qui est maladie. C'est la première fois que j'entends parler qu'on prend vraiment le tout. On prend le package et on travaille sur ce package en entier. Donc je suis assez confiante. Je pense qu'une des clés, c'est vraiment d'être à l'écoute de quels sont les messages que mon corps me donne. Pas que ma tête, mais mon corps, essayer de faire des connexions entre les deux. Et ça, je pense que c'est un des éléments clés et fondamental de la démarche. Depuis plusieurs mois, Antonio est suivi par les HUG pour son obésité. Aujourd'hui, son quotidien a changé, comme son alimentation, plus axée sur les fruits et les légumes. Moi, j'aime bien les haricots verts. Il y a les carottes et le fenouil, voilà. J'ai connu le Covid en mars 2020 et puis j'ai été très mal. J'ai été très mal parce que j'étais trop fort, donc j'avais 132 kilos. Et puis le docteur il m'a dit que je devais perdre de poids pour ne pas avoir autant de problèmes. Ça nous aide beaucoup et puis j'ai pu jouer, donc j'ai pu me baisser mieux parce qu'avant j'étais trop grosse. En Suisse, 11% de la population adulte souffre d'obésité, un pourcentage en constante évolution. Certaines situations nécessitent, au-delà de l'éducation thérapeutique, une prise en charge médicamenteuse et même dans certains cas une chirurgie bariatrique. Au HUG, le centre de l'obésité et de la chirurgie bariatrique permet d'harmoniser l'itinéraire des patientes et patients concernés. L'éducation thérapeutique, basée notamment sur une relation patient-soignant privilégiée, améliore de 50% la qualité de vie et permet de diminuer de 80% le nombre d'hospitalisations. C'est comme si c'était un tango, une danse, en harmonie entre le patient et son soignant. Ils échangent, une fois ça va mieux, avec certaines maladies une fois moins bien, mais on avance ensemble. C'est un des mots-clés que je dirais, qu'on avance ensemble avec le patient et ce n'est pas le patient seul qui est condamné, entre guillemets, avec sa maladie.